السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نحمد الله ربنا أكرم الأكرمين الذي شرع لنا وكتب علينا صيام شهر رمضان فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, celui qui nous a légiféré le jeûne du mois de Ramadan, l'a rendu obligatoire et en a fait un pilier de l'islam, afin qu'on puisse l'adorer et se rapprocher davantage de lui durant ce mois béni. Il nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne de Ramadan, tout comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc la sagesse pour laquelle a été légiféré le jeûne du mois de Ramadan, c'est devenir pieux. Aussi, la piété consiste à faire ce qu'Allah Azza wa Jal nous a commandé, et cela avec science, en espérant sa récompense. Ça consiste également à délaisser ce qu'Allah nous a interdit, et cela avec science, par peur de sa punition. Voici la sagesse pour laquelle le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré. Dans ce sens, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Man lam yada' qawl az-zur » والعمل به فليس لله حاجة أن يضع الطعام وشرابه. Celui qui ne délaisse pas le mensonge ni les mauvaises actions, Allah n'a que faire de son délaissement de nourriture et de boisson. Le jeûne n'a pas été légiféré pour qu'on ressente seulement la faim et la soif, mais pour qu'on se rapproche d'Allah, qu'on devienne pieux. Voici la sagesse du jeûne. Et durant ce mois béni, le mois de Ramadan, pour la première fois, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran al-Karim. Également dans ce mois béni, comme ça a été rapporté dans le hadith de Wathila ibn Asqa' radiallahu an, les livres ou d'autres livres comme al-Tawrah, al-Injil, la Torah, les évangiles et autres ont été révélés durant le mois de Ramadan. وأعظم الكتب المنزلة وأفضلها هو القرآن الكريم. Et le meilleur des livres révélés, le plus grand signe accordé aux prophètes et aux messagers, c'est le Coran al-Karim. والقرآن الكريم كلام رب العالمين المنزل منه بدأ وإليه يعود. قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
Al-Qur'an al-Karim est la parole d'Allah Azza wa Jal. Elle n'est pas créée. C'est sa révélation. Il a parlé de par le Qur'an et l'a fait entendre au meilleur des anges, Jibril alayhi salam. Ce dernier est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes et le meilleur prophète et messager, le meilleur de l'humanité. Et ce dernier sallallahu alayhi wa sallam l'a récité à sa communauté et l'a propagé. Et c'est certes la révélation du Seigneur des mondes. Et descendu avec Ruhul Amin, c'est-à-dire Jibril, sur ton cœur, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu sois du nombre des avertisseurs dans une langue arabe claire, bilisanin arabiyin mubin. Et dans le Coran, on trouve la description d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mention de noms, d'attributs, afin qu'on le connaisse et qu'on sache qui adorer, car il a la perfection absolue, les noms les plus sublimes, les attributs les plus parfaits. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa lahu al-mathalul a'la. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية. Ça c'est la première partie de ce qu'on trouve dans le Coran, la description d'Allah à travers ses noms, à travers ses attributs. On nous enseigne sa perfection subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose qu'on trouve dans le Coran, c'est l'amr wa nahi, les ordres et les interdits. Car celui qui connaît Allah l'aimera. Celui qui connaît Allah le redoutera. Il voudra alors se rapprocher de lui pour obtenir sa miséricorde et sa pitié, son agrément et ses grâces. Il va donc demander comment me rapprocher d'Allah, comment atteindre l'agrément d'Allah, comment avoir son pardon. Celui qui connaît Allah va avoir peur de lui. Il va fuir sa menace et son châtiment. Il va donc demander comment me prémunir de la colère d'Allah, de sa punition et de son enfer. Alors on nous cite la deuxième partie de ce qu'on trouve dans le Coran, les ordres et les interdits. Wa aqimu salata wa atu zakat. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Kutiba alaykum as-siyam, on vous a prescrit le jeûne. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. C'est une obligation qui incombe aux gens d'accomplir le pèlerinage à la demeure. Tous ces ordres ont été mentionnés dans le Coran. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers pères et mères. On nous ordonne dans le Coran beaucoup de choses. On nous interdit également le shirk. On nous interdit wala taqul lahuma ouf, la désobéissance envers les parents. Wala taqrabu zina, on nous interdit la fornication. On nous interdit ce qui nous est nuisible, riba, les intérêts, l'usure, le mensonge, l'hypocrisie et beaucoup de péchés. Tout cela pour emprunter ce chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, à son agrément et son pardon. Et l'homme est sujet à la faiblesse, à la tentation. Sa foi augmente et elle diminue. Ainsi, on nous a mentionné la troisième partie du Coran, la description du paradis, la description de l'enfer, et l'histoire des prophètes et ce qui s'est passé avec leur peuple. Et quelle fut la finalité de chacun? Ceux qui ont suivi les prophètes, ont cru en Allah seul d'un culte sincère et ont suivi les prophètes, ils entrent au paradis. Ceux qui se sont fait les ennemis des prophètes et ont fait scission d'avec leur voix, ces gens-là sont les habitants de l'enfer. Et parmi les plus belles choses donc qu'on trouve dans le Coran, al-qasas, les récits. Et ces récits qui sont mentionnés dans le Coran ne sont pas semblables aux récits qu'on mentionne en dehors du Coran. Ce sont des récits véridiques, les plus véridiques. Ce sont des récits remplis de leçons et de sagesse. Ce sont des récits à travers lesquels on s'éduque. Lorsqu'on voit les qualités, on les apprend et on les applique. Lorsqu'on voit les défauts, on les connaît
et on s'en éloigne, on s'en prémunit. Et parmi les belles histoires du Coran et toutes leçons, l'histoire du prophète d'Allah et messager Souleyman, fils de Daoud, alayhima as-salam. Et durant cette histoire, il y a la mention de Harout et de Marout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, dans le verset 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Et ils suivirent ce que les shayatines racontèrent durant le règne de Souleyman. Alors que Souleyman n'a jamais été mécréant, mais ce sont les shayatines qui enseignent aux gens la magie, ainsi que ceux qui sont descendus aux deux anges, Harout et Marout, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien n'a personne, c'est-à-dire de cette magie, qu'il n'ait dit d'abord, sans au préalable avoir averti ceux qui voulaient apprendre la magie, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois donc pas mécréant. Ils apprennent ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à autrui qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire la magie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Dans ce passage du Coran, de Surat al-Baqarah, on voit de manière manifeste la condamnation de la sorcellerie et sa gravité. Le jugement du sorcier, le jugement de celui qui apprend la sorcellerie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parfaitement exposé tout cela. Avant ça, reprenons ce verset et mentionnons les tafasir des savants, l'exégèse mentionnée par les savants de l'explication du Coran. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ et ils suivirent مَا تَتْلُوا. تَتْلُوا ici c'est pas lire et réciter. Ici le sens de تَتْلُوا c'est pas lire et réciter. L'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala nous dit مَا تَتْلُوا أي ما تلت. Ibn Abbas nous explique le verset en disant أي ما تتبع, c'est-à-dire ce qu'ils ont suivi, ce qu'ils ont fait. على ملك سليمان, dans la royauté de Suleyman, c'est-à-dire à son époque durant son règne, c'est-à-dire à son époque durant son règne. Donc le sens, le début du verset. Et ils suivirent ce que les shayatines وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ ce que les diables faisaient durant le règne de Suleyman. Ils suivirent ce que les diables faisaient durant le règne de Suleyman. Qui est-ce qui a suivi cela? Qu'est-ce qui a hérité ce mal des shayatines?
Qui est-ce qui les a pris pour enseignants? Si on revient au verset 99, on trouve أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. À partir du verset 5. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. N'est-ce pas qu'à chaque fois qu'il conclut un pacte, une partie d'entre eux le dénonce? Non, en vérité, la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici la situation des gens du livre. Avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient eu dans leur livre la révélation de l'envoi futur d'un prophète qui allait leur venir. Chaque prophète annonçait la venue du suivant. Et Moussa alayhi salam a reçu la Torah. Dedans il y a la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Moussa alayhi salam a averti de la venue de Isa, et Isa a reçu l'Injil, et il avait aussi la science de Torah. Et dans l'Injil, il y a également la description des compagnons, et la bonne nouvelle, et l'annonce de la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on trouve cela dans Surat al-Fath. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ jusqu'à la fin des versets. Comme on trouve cela dans Surat al-Saff. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عيسى عليه السلام a annoncé la bonne nouvelle de la venue d'un prophète futur dont le nom est Ahmed. Et le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: j'ai plusieurs noms, je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis le Mahi, je suis le Hashir, je suis l'Aqib. Donc Ahmed fait partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc reçu cette bonne annonce. Et ils se sont réjouis. Et ils habitaient à Al-Madinah. Et il y avait trois tribus parmi les gens du livre. Il y avait Banu Qaynuqa. Il y avait Banu Nadir. Et Banu Qurayza. Et il y avait les Ansar à Médine. Al-Aws ou Al-Khazraj. Ces deux grandes tribus. Et les gens du livre disaient aux Ansar: bientôt un prophète va venir, et avec lui on vous combattra, et on aura sur vous le dessus. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal envoya le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de ses 40 ans, il lui révéla le Coran pour la première fois, durant le mois de Rabi, alors qu'il était dans la grotte de Hira. L'ange Jibril alayhi salam lui est venu, et il lui a transmis les 5 premiers versets de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il est devenu prophète. Plus tard, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, il est devenu messager. Lorsque l'information leur est parvenue, et qu'ils ont su qu'il était de Mecca, de la péninsule arabique, et qu'il était arabe, alors ils l'ont jalousé car il n'était pas des leurs, il ne faisait pas partie de leur peuple et de leur origine. Alors ils ont mécru en lui. Et ils ont rejeté ce qu'il y avait dans leur livre en concordance avec le Coran. Et ça fait référence à cela. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. Lorsque leur est venu un messager de la part d'Allah, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ, confirmant ce qu'il y avait déjà auprès d'eux, c'est-à-dire dans la Torah. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils ont jeté derrière le livre comme s'ils ne savaient pas, alors qu'ils avaient parfaitement connaissance de cela. Puis Allah nous dit: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils ont suivi ce que les shayatines faisaient durant le règne de Suleyman. C'est-à-dire ce sont eux qui ont eu cet agissement. C'est-à-dire ce sont eux, parmi les gens du livre, qui ont eu cet agissement, suivre ce que faisaient les shayatines durant le règne de Suleyman, c'est-à-dire tout ce qui est sorcellerie
et magie et mauvaise action. Voici l'explication du début. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit dans son tafsir, « Qala Suddi, lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, a'arabuhu bit Tawrah, fakhasamuhu biha, fattafakat il Tawrat wal Qur'an, fanabadhu il Tawrat wa akhadhu bi kitabi Asif wa sihri Harut wa Marut. » As-Suddi, rahimahullah ta'ala, explique ce passage et nous dit, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, ils l'ont contredit et ont débattu avec lui de ce qu'ils ont trouvé, ou bien en voulant utiliser la Torah. Mais en revenant à la Torah, ils ont trouvé que ce qu'il y avait dans la Torah et ce qu'il y avait dans le Coran était semblable concernant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'autres points. Alors ils ont mis leur propre livre derrière leur dos, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de juger avec. Ils ont refusé de le suivre et de juger avec. Et ils ont préféré prendre le livre de Asif. Le livre de Asif. Et la sorcellerie de Harut et de Marut. Et là, une question qui vient naturellement, qui est Asif? Qui est donc Asif? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, mentionne les paroles, expliquant cela et dit, c'est Ibn Khalati Sulayman. C'est le fils de la tante maternelle de Suleyman. C'est le cousin de Suleyman du côté de la mère, alayhi salam. Un autre avis, il fut dit que c'était un homme de la tribu de Banu Israël, parmi les savants d'entre eux. Un homme savant de la tribu de Banu Israël. Et il fut dit encore d'autres paroles, comme l'a mentionné Ibn Kathir dans El Bidaya wa Nihaya. On trouve ici qu'Allah Azza wa Jal a innocenté Suleyman de la sorcellerie. Mais est-ce qu'il peut venir à l'esprit d'un croyant que Suleyman alayhi salam, ce grand prophète et messager d'Allah, avec les nombreuses qualités et signes et miracles qu'Allah lui a accordés, est-ce qu'un croyant pourrait penser que Suleyman a commis de la sorcellerie? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a innocenté Suleyman alayhi salam de la sorcellerie? Qui est Suleyman? Suleyman, c'est le fils de Daoud alayhi salam. Daoud étant un des meilleurs prophètes de Banu Israël. Suleyman également est prophète et messager alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé ce qu'il a accordé à peu parmi les gens. Il en a fait des rois et en plus de cela des prophètes et messagers. Il en a fait des rois, des gouverneurs et en plus de cela des prophètes et messagers. Et leur a accordé des signes manifestes attestant de la véracité de leur prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Nous avons certes accordé à Daoud et Suleyman de la science. وقال الحمد لله الذي فضل على كثير من عباد المؤمنين. Ils ont remercié Allah. Ils ont remercié Allah en disant, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a favorisés au-dessus de bon nombre, d'un bon nombre de ses serviteurs croyants. ورث سليمان داود. Suleyman hérita de Daoud. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Et il dit, ô vous les gens, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a accordé de toutes choses. Il y a certes dans cela une grâce manifeste. On nous dit également wa wahabna li Daoud Suleyman ni'mal 'abd innahu awwab. On accorda, on fit don
à Daoud de Suleyman, quel bon serviteur. Il revenait vers Allah. Dans un autre verset, on nous dit وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِي رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاتِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Nous lui assujettîmes alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait. Allah Azza wa Jalla a accordé ce miracle et ce grand signe à Suleyman. C'est qu'il ordonnait au vent et il soufflait où il voulait. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Suleyman avait le contrôle sur les diables, il leur ordonnait, il leur interdisait et il les chargeait de lourdes tâches. Et ils construisaient et ils élevaient des bâtisses. D'autres allaient dans les profondeurs des mers pour lui ramener ce qu'ils souhaitaient. Pour lui ramener ce qu'ils souhaitaient, tout ce qu'on peut imaginer, comme or, comme perles précieuses ou autres. Et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. Voilà notre don, distribue-le ou retiens-le, sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Voici la place de Suleyman alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous montre également qu'il lui a accordé une grande sagesse dans son jugement. Et vous connaissez probablement l'histoire rapportée par Abu Hurayra radiallahu anhu. Deux femmes se sont rendues auprès de Daoud alayhi salam avec un enfant. La grande où la plus âgée des deux a prétendu qu'il lui appartenait, et la plus jeune des deux a également prétendu qu'il lui appartenait. Daoud alayhi salam a jugé en faveur de la plus âgée. Daoud alayhi salam a jugé Qadar al-Kubra. Il a jugé en faveur de la plus âgée et a dit que l'enfant lui revenait de droit. Falamma kharajata qala Suleyman kayfa qadha baynakum. Lorsqu'elles sont sorties, Suleyman alayhi salam leur a demandé « Comment est-ce qu'il a jugé entre vous ?» Elles ont donc dit qu'il avait jugé en faveur de la plus grande, de la plus âgée. Suleyman a dit « I'touni bisikkin, apportez-moi un couteau. » Faqalat as-sughra ma. La plus jeune des deux a dit, yani, attends ou bien, naam, cesse cela. Yani, un couteau pour quoi faire? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit l'histoire et il dit que Suleyman a dit, ashuqquhu baynakuma, je vais le couper et accorder la moitié à chacune. قالت ادفعه اليها. La plus jeune a dit non, mais donne-lui l'enfant. La plus jeune a dit non, donne-lui l'enfant, c'est-à-dire je renonce à cette plainte et je dis que c'est son enfant, accorde-le lui. وقالت الكبرى شقه بيننا. Quant à la plus âgée, elle a dit coupe-le entre nous deux. Partage-le entre nous deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلْصُغْرَى. Suleyman a donc jugé en faveur de la plus jeune. Suleyman alayhi salam a donc jugé en faveur de la plus jeune. وَقَالَ لَوْ كَانَ ابْنَكْ لَمْ تَرْضَ أَنْ تَشُقَّهُ. S'il avait été ton enfant, tu n'aurais jamais agréé qu'on le coupe. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa sallam nous montre la grande sagesse de laquelle était doté Suleyman. Mais on n'a pas le droit malgré ça de penser du mal de Daoud. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran a immédiatement mentionné Daoud pour faire ses éloges. Ainsi on repousse une mauvaise opinion que Shaitan pourrait mettre dans le cœur du croyant à l'égard de Daoud alayhi salam. Non, ici on montre la sagesse de Suleyman et en aucun cas on diminue le rang de Daoud.
Tous eux étaient prophètes et messagers, on ne les mentionne qu'en bien. Donc qui était Asif? Qui était Asif? Ce livre qu'il avait réuni, ou bien vers lequel il avait indiqué les gens du livre de revenir lorsqu'ils ont délaissé At-Tawrah et n'ont pas voulu prendre le Coran. Asif est donc le cousin de Suleyman, ou d'autres paroles comme ça a été mentionné. Lorsque Suleyman décéda, et comme les humains ils décèdent, Allah Azza wa Jalla nous mentionne cela dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْبَ avant ça, ou après cela plutôt, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention du décès de Suleyman. Dans ce verset, Allah azza wa jalla fait mention du décès du prophète Suleyman alayhi salam. Dans sourate Saba, puis quand nous décidâmes sa mort, c'est-à-dire la mort de Suleyman alayhi salam, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il parut de toute évidence aux djinns que s'il savait vraiment l'inconnu, il ne serait pas resté dans le supplice humiliant. Pour mieux comprendre cela, Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala mentionne que ces djinns prétendaient avoir la science de l'invisible. Et Allah Azza wa Jalla a voulu rendre évident et apparent à l'ensemble qu'ils mentaient dans leurs prétentions. Il dit, il nous est parvenu que Suleyman alayhi salam, le fils de Daoud, ce messager d'Allah, les gens du livre l'ont démenti dans sa prophétie. Il disait, ça n'était qu'un roi et un sorcier. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné Suleyman alayhi salam d'entre les prophètes et messagers. Alors ils ont dit, donc leurs savants, Ala ta'jabuna min Muhammad, yaz'umu anna Suleyman ibn Daoud kana nabiyan, wallahi ma kana illa sahira. Ces savants des gens du livre ont dit, ne vous étonnez-vous donc pas de Muhammad, il prétend que Suleyman, le fils de Daoud, était un prophète. Par Allah, il n'était qu'un sorcier. Par Allah, il n'était qu'un sorcier. Alors Allah Azza wa Jalla a révélé et il l'a innocenté en disant Wa ma kafara Suleyman, walakinna shayatina kafara. Suleyman n'a pas mécru en faisant la sorcellerie. Mais ce sont les shayatines qui ont mécru. Ils enseignent aux gens cela. Donc auprès d'eux, Suleyman n'est pas un prophète ni un messager. Ça n'était qu'un roi qui a gouverné par des signes qui en réalité étaient de la magie et de la sorcellerie. Et bien évidemment, cela est faux. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont accusé de sorcellerie? Sachant que la sorcellerie est de la mécréance. Dans le recueil d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il nous rapporte une parole selon Muhammad ibn Ishaq ibn Yassar, que les shayatines ont réuni les données contenant de la sorcellerie et ils ont prétendu que cela était l'œuvre de Suleyman et cela après sa mort. De son vivant, ils n'ont pu faire cela. Mais après sa mort, après son décès, ils ont prétendu cela et propagé ça.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que Suleyman avait même la gérance des shayatines. Il contrôlait même les shayatines et ils étaient à son service, les djinns. Il les faisait travailler et il faisait des actions ou des lourdes tâches. Naam, des lourdes tâches. Les shayatines passaient, les djinns passaient. Mais lors du décès de Suleyman, il était appuyé sur sa canne. Il tenait une canne. Il se dit qu'il tenait une canne. Et après son décès, ces shayatines qui eux prétendaient connaître l'invisible, n'ont pas eu connaissance du décès de Suleyman. Pourquoi ? Parce qu'en apparence, il tenait sur la canne. Mais il y a une bête de la terre qui a commencé à manger du bois de la canne. Jusqu'à ce que la canne se soit brisée. Elle est donc tombée et Suleyman tomba. C'est ainsi qu'on a su qu'il était mort. Lorsque les djinns et les humains ont vu ça, ils ont su que ces shayatines et ces djinns qui prétendaient connaître l'invisible n'ont même pas eu connaissance du décès de Suleyman. Voici l'explication. Ils n'ont même pas eu connaissance du décès de Suleyman. Donc dans le verset de Saba, verset 14 de Sourate Saba, puis quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre. Que la bête de terre qui rongea sa canne, car Suleyman était appuyé sur cette canne. Il fut dit qu'il était appuyé sur cette canne, et lorsque cette bête rongea du bois de sa canne, la canne se brisa et Suleyman tomba. Ainsi on a su qu'il était décédé. Et là, il est apparu au grand jour qu'il ne connaissait pas l'invisible. Dans le cas contraire, ils auraient su le décès de Suleyman, et on nous dit qu'ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant. Qu'est-ce que le supplice humiliant ? C'est que Suleyman, alayhi salam, les chargeait de tâches très lourdes et difficiles. Or, Suleyman, même après son décès, eux ont continué à travailler pour lui. S'ils avaient la science de l'invisible, ils ne seraient pas restés à son service et à travailler très difficilement. Voici l'explication. Les shayatines ont donc réuni les écrits mentionnant la sorcellerie. Ils ont réuni les écrits mentionnant la sorcellerie. Et celui qui souhaitait, que contenaient ces écrits, comment faire de la sorcellerie ? Celui qui souhaite telle chose, il lui faudra faire telle chose et telle chose. Celui qui veut faire tel mal, il lui faudra faire telle chose et telle chose. Ils ont réuni le tout. Ensuite, ils ont inscrit sur ce livre comme le cachet de Suleyman alayhi salam, pour faire croire aux gens que le contenu du livre était l'œuvre de qui ? De Suleyman. Et que c'était le contenu de science de qui ? De Suleyman. Alors ils ont mis son khatam, son cachet. Et ils ont mis en titre Hadha ma kataba Asif ibn Barkhiya as-Siddiq lil Malik Suleyman ibn Daoud. Ils ont mis en titre voici ce qu'a inscrit Asif ibn Barkhiya, le très véridique, pour le roi Suleyman, fils de Daoud. Et il contient les trésors de la science. Puis ils ont enterré ce livre sous le trône de Suleyman. Par la suite, Al-Shaytan leur est venu sous l'apparence humaine. Al-Shaytan leur est venu sous une apparence humaine et leur a dit : ne vais-je pas vous diriger vers la royauté ? Ne vais-je pas vous diriger vers la réussite ? Il y a là, sous le trône de Suleyman, la cause de ses miracles, la cause de sa royauté, la cause de ses richesses. Creusez sous son trône et vous verrez. Par la suite, il a réussi à les convaincre. Ils ont creusé, ils ont trouvé ce livre.
Et c'est ainsi qu'ils ont appris la sorcellerie. Et ils l'ont annexé à Suleyman et ils ont dit, voici comment Suleyman avait le contrôle du vent, connaissait la langue des animaux, et voici comment est-ce qu'on lui a assujetti les choses avec la sorcellerie. C'est pour cela qu'ils ont prétendu que c'était un sorcier et non un prophète ni un messager. Et bien sûr, tout cela était mensonge. Tout cela était mensonge. Il fut également dit que Suleyman alayhi salam leur a repris tous les feuillets où il y avait la sorcellerie et comment faire de la sorcellerie et son enseignement. Il a tout réuni et il a fait tout enterrer sous son trône pour que personne ne puisse y avoir accès. Mais après son décès, Shaitan a informé les gens et il leur a dit, si vous voulez, la royauté de Suleyman, elle se trouve sous son trône, il y a là sa science. Donc plusieurs paroles ont été mentionnées. Plusieurs paroles ont été mentionnées. Donc Asif est celui qui avait réuni tout cela. Al-Sihr, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la sorcellerie? Al-Sihr, dans la langue arabe, c'est ma khafiya wa daqqa wa la tufa sababu. Al-Sihr, dans la langue arabe, c'est la chose subtile, la chose qui est cachée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min al-bayan ila sihara ». Il y a certes dans l'éloquence de la sorcellerie. Et le sihr dans la religion, ce péché majeur, cette mécréance, c'est un pacte et un procédé diabolique entre une personne et un diable parmi les démons. Le pacte est la vente de la foi et de l'islam contre les services du shaitan. Il va vendre son islam, sa religion et son bien contre les services du diable et des shayatin. Tantôt ça se fait en donnant l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. Il lui dit par exemple, prends un mouton et va auprès de la mer et sacrifie-le au nom de tel djinn. Tantôt par certaines mécréances, comme le fait d'insulter Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait de se chausser du Qur'an wa l'iyadu billah. De marcher sur le livre d'Allah subhanah, ou de toucher d'impureté le livre d'Allah, ou d'écrire, wal'iyadu billah, des paroles d'Allah avec le sang des menstrues de la femme, et toute autre chose aussi gravissime et pire les unes que les autres. La sorcellerie n'a pas de définition qui permet de réunir toutes ces formes et d'en faire sortir tout ce qui n'y entre pas. Comme l'a dit l'imam al-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Pourquoi cela? Car il y a de très nombreuses sortes de sorcellerie. Donc on ne peut pas en une phrase résumer sa description. Il y a beaucoup de formes de sihr. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est de la mécréance et que c'est un des péchés les plus graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit "Ijtanibu sab'a al-mubiqat." Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala ash-shirk billah was-sihr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit "Éloignez-vous des sept péchés capitaux, ou plutôt des sept péchés qui en général lorsqu'on tombe dedans ça cause la perte du serviteur. Al-mubiqat et al-muhlikat." Puis ils lui ont dit "Lesquels au messager d'Allah?" Il a dit "Le polythéisme, le shirk." Puis il a dit la sorcellerie. Puis il a mentionné d'autres péchés. Qui est-ce qui a donné cet héritage? Ce sont les shayatins. Qui est-ce qui a réuni cela? Asif. Et Asif était même, ils disent,
le katib de Suleyman, c'était son scribe, celui qui écrivait pour lui, celui qui était à son service dans ce domaine-là. Et ils disent même kana ya'lamu ou kana ya'rifu isma Allah al-a'zam. Il avait de la science et il connaissait le nom d'Allah suprême. Et il écrivait selon les ordres de Suleyman. Il était au service de Suleyman alayhi salam. Il écrivait sa science. Et selon l'ordre de Suleyman, et ça c'est notre version, il a enterré ce livre de science. Après son décès, les shayatines l'ont déterré, ont indiqué cet endroit aux hommes et il fut déterré. Mais les shayatines, entre-temps, entre chaque ligne, ils ont écrit de la sorcellerie. Ils ont falsifié le livre de Suleyman et ils ont rempli le livre de sorcellerie. Par exemple, une ligne où il y a la science de Suleyman et celle d'après où il y a la sorcellerie. Une ligne où il y a la science de Suleyman et celle d'après où il y a la sorcellerie. Puis, ils ont dit, voici ce avec quoi Suleyman travaillait. Et la plupart des gens du livre ont certifié cette information, leurs ignorants en premier lieu. Ils se sont donc mis à insulter Suleyman alayhi salam. Ils se sont mis à l'insulter, à le dénigrer et à le rendre mécréant et sorcier. Leurs savants les ont suivis dans cela, wal'iyadu billah. Leurs savants les ont suivis dans cela et ils n'ont cessé d'agir ainsi. Jusqu'à ce qu'Allah révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Suleyman wa ma kafara Suleyman walakin ash-shayatin kafaru. Sachez qu'il y a deux sortes de sihr. Il y a deux sortes de sorcellerie. La première s'appelle al-sihr al-haqiqi. C'est la sorcellerie qu'on dit qui est dite véritable. C'est la sorcellerie qui est dite véritable. Elle a des effets réels sur la personne, elle peut le rendre malade. Elle peut séparer entre l'homme et son épouse et faire se transformer l'amour en haine et inimitié. Elle peut pousser à la séparation, au fait de ne plus supporter l'épouse ou l'époux. Elle a des effets véritables. Elle peut assassiner une personne. Elle peut aliter une personne, la rendre malade, l'empêcher de s'alimenter, de marcher, de sortir. C'est un sihr qui est haqiqi, qui est réel, qui a des effets réels sur la personne. Ça, c'est la première sorte de sihr. Et c'est le sihr qui est mentionné dans Surat al-Baqarah, dans ce verset. Dans ce verset. يُفَرِّقُونَ بِيْبَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Il sépare avec cette sorcellerie-là, entre l'homme et son épouse. Voici la première sorte de sihr. Deuxièmement, le sihr qu'on appelle السِحْرُ التَّخْيِيلِ. التَّخَيُّل ou التَّخْيِيل, c'est quoi? C'est l'illusion. La deuxième sorte de sihr, c'est de l'illusionnisme. C'est pas réel. C'est pas réel. Mais lui, en regardant, il pense voir une chose, mais qui n'est pas en réalité. Il pense voir une chose, mais qui n'est pas en réalité. On lui apporte un avion devant, on lui montre un avion, et ensuite on le fait disparaître devant ses yeux. Ou bien on jette un bâton devant lui, et ensuite il voit des serpents. Mais en vrai, l'avion n'a pas disparu, ou bien ça n'était pas un avion. En vrai, c'est du bois. Mais lui, en regardant, au lieu de voir du bois, il voit quoi? Il voit des serpents. Il n'a pas eu la capacité de transformer le bâton en serpent. Non, c'est de l'illusionnisme. C'est du sihr takhyili, c'est de l'illusion. C'est pas réel. Ça n'est qu'illusion. C'est du faux, c'est pas réel. Et ça, c'est le sihr qu'avaient les Sahara de Fir'aoum. Ça, c'est le sihr qui était pratiqué par Sahara de Fir'aoum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين » Ils lui ont dit au Moussa, soit tu es le premier à jeter, soit nous serons les premiers à jeter. « قال ألقوا » Moussa leur dit, jetez-vous donc en premier.
فلما ألقوا سحروا أعين الناس. Puis lorsqu'ils jetaient saharu a'yun an-nas, ils ont fait un coup de magie aux yeux des gens. C'est de l'illusion, c'est pas réel. Wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. Ils sont venus avec une sorcellerie immense. Donc ça a eu lieu, ça a eu lieu où? Sur les yeux, sur le regard des gens seulement. Mais en réalité, est-ce que leurs bâtons étaient réellement des serpents? Non, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. C'est pour ça que lorsque Moussa alayhi salam, Allah azza wa jalla lui ordonna de jeter son bâton lui, il a anéanti leur sorcellerie. Il a déjoué cette sorcellerie. Et là, eux, ils savaient que c'était du mensonge. Les Sahara de Firaoul, ils savaient que c'était du mensonge, ça n'était qu'illusion. C'est pour ça que lorsqu'ils ont fait, ils ont vu l'effet réel du bâton de Moussa, ils se sont repentis. Ils sont tombés prosternés, ils ont dit « Amanna bi Rabbi al-alamin, Rabbi Moussa wa Harun. » Ils se sont repentis sur le tas. Et ils ont annoncé au grand jour, en public, leur foi et leur repentir. Ils se sont repentis de la sorcellerie. Et ils ont dit « Nous avons désormais foi au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Harun et le Seigneur de Moussa et de Harun. » Et ils ont eu une foi ferme et forte parce qu'ils ont vu le signe d'Allah devant eux. Et ils ont eu une foi forte et ferme au point, à un point tel que Pharaon leur a dit « Vous avez eu foi avant que je vous donne la permission. Vous êtes certes de mèche en réalité avec Moussa. Assurément, je veux vous crucifier sur des troncs de palmiers. » Il les a contraints à sortir de l'islam. Ils ont refusé, ils sont restés accrochés à leur religion. Il les a assassinés. Et ils ont dit « Là, voyez, ça ne nous nuit en rien. On espère qu'Allah nous pardonne pour avoir été les premiers croyants. » Il les a assassinés, ils sont morts sur le tawhid. Après avoir été les pires ennemis d'Allah et des prophètes, des sorciers, ils sont devenus les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, les repentants et les croyants. Donc ça c'est du sihr tahyil, ça a un effet sur la vue, ça n'est pas réel, c'est de l'illusion. Quoi qu'il en soit, le tout est gravissime. Quel est maintenant le jugement du sorcier? Le sorcier, de manière générale, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il troque sa foi et son islam contre les services du shaitan. Moyennant une mécréance. Moyennant du shirk. Moyennant du shirk. Il vient voir, il vient apprendre la sorcellerie ou bien il vient faire la sorcellerie. Le djinn lui dit non, tu ne recevras aucun service tant que tu ne nous donneras pas une chose. Il lui dit, que veux-tu? Il lui dit, tu vas te prosterner pour moi. Ou bien tu vas aller dans tel endroit et te prosterner pour telle idole. Ou bien tu vas prendre un mouton noir ou de telle forme et tu vas le sacrifier à telle heure, à tel endroit auprès de la mer. Car Iblis y a son trône. Alors il donne une adoration, il sacrifie un coq ou un poulet. Il sacrifie un mouton ou autre chose. Et à ce moment-là, sa foi sort. Il n'a plus d'iman, c'est un kafir. Alors le djinn est à son service et il l'informe que là-bas il y a telle chose. Non. Et c'est ainsi qu'il devient un sahir. En donnant une adoration autre qu'Allah, il sort de l'islam. Donc tout sahir, c'est forcément un kafir. Ça, c'est de manière générale. Néanmoins, en réalité, ça fait tafsil. Il faut développer. Pourquoi? Parce que certains disent qu'ils sont sorciers, mais en réalité, ils sont des charlatans. Ils ne donnent pas l'adoration à autre qu'Allah. Ils ne travaillent pas en réalité avec les shayatines. Mais ils trompent les gens de la masse. Ces derniers ne tombent pas dans la mécréance, mais leur péché est gravissime. L'imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, c'est pour cela qu'il nous dit, fi tafsil, ça dépend. Il dit si c'est du sihr dans le sens où il immensifie autre qu'Allah, comme les étoiles, comme les djinns, et il tombe dans la mécréance, sans aucun doute, sans divergence, c'est un kafir, ce sorcier-là. Mais dans le cas où il fait du sihr, juste, yani sans tomber dans la mécréance, sans chercher l'aide auprès d'un autre qu'Allah, en utilisant par exemple des pommades, d'autres savants disent des médicaments et autres, qui ont des effets sur la personne, mais sans tomber dans le polythéisme ou la mécréance, dans ce cas-là, il a commis un péché gravissime.
Et l'interdiction, elle est vraiment sévère. Mais sans pour autant tomber dans la mécréance. Sans pour autant tomber dans la mécréance. Pour finir ce passage, quel est le jugement maintenant de se rendre auprès des sorciers? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces gens-là. Et il nous avertit contre ce péché majeur. Le péché de ceux qui ont une foi très faible, s'ils en ont. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man ata kahinan ou arrafan fasaddaqahu bima yakul » فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, celui qui se prend auprès d'un devin ou ce genre de personne, puis qui croit en ses dires, il aura mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. Qu'est-ce qui a été révélé à Muhammad? Le Coran et la Sunna. Et tu trouves dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul ne connaît ce qu'il y a dans l'invisible, que ce soit dans les cieux ou la terre, si ce n'est Allah. Personne n'a la science de l'invisible. Lui, il vient d'ici, le sorcier un tel, il connaît. Donc il a rejeté la parole d'Allah, dans laquelle Allah nous dit que personne ne connaît l'invisible, si ce n'est Allah. Lui, il dit, si, le sorcier, il connaît l'invisible. Le sorcier, il connaît le futur. C'est ainsi qu'il mécroit en la parole d'Allah. Il mécroit en Allah. Il mécroit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est véridique? Allah ou le sorcier? Allah dit personne ne connaît l'invisible. Le sorcier dit moi je connais. Nous on va croire qui? Allah le Seigneur des mondes? Allah ou le royaume? Ou bien on va croire le sorcier? Le friq comme il l'appelle dans certains pays. Le marabout comme il l'appelle dans certains pays. Il prétend connaître l'invisible. Il te dit ramène-moi de l'argent. Ramène-moi ça. Ramène-moi un coq. Ramène-moi un poulet. Il a besoin d'un poulet, tu crois qu'il connaît l'invisible? Subhanallah. Il n'est pas capable d'aller s'acheter un coq ou un poulet. Il a besoin, tu lui ramènes ça pour manger et nourrir sa famille. Et tu penses qu'il connaît l'invisible? Kazzaboun. Ce sont des menteurs. Ce sont des trompeurs. Puis il t'écrit une chose et le pauvre illettré, il dit, il m'a écrit du Coran, regarde. Et en réalité, il a inséré des noms de shayatin. En réalité, il insulte le prophète sallam, en réalité, il trompe et il le trahit. Mais le pauvre et la pauvre illettrée, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Le jugement d'aller voir le sorcier et de croire en ses informations relatives aux choses du futur et de l'invisible, dont seul Allah a connaissance, ça c'est de la mécréance majeure, la personne elle sort de l'islam. Elle sort de l'islam, ceux qui vont voir les devins, ceux qui vont voir les sorciers, ceux qui vont voir les frères, ceux qui vont voir les marabouts, et ils disent, oui, il sait ce qu'il y a dans le futur, oui, il m'a informé de ça, oui, kada, oui, kada. Ça c'est de la mécréance, la personne elle sort de l'islam, a'udhu billah. Le deuxième cas, c'est le cas de la personne qui va voir ses sorciers, ses devins et autres. Mais juste, yani, elle va la voir sans croire, on sait dire. Le simple fait de s'y rendre, sans croire aux choses de l'invisible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien le jugement. لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. On n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. Pendant 40 jours, on n'accepte pas sa prière. Si une personne a fait ça, par exemple, le premier jour de Ramadan, elle doit quand même prier, mais toutes ses prières du mois de Ramadan, et pendant 10 jours du mois de Shawwal, ces prières-là, elle n'en aura pas la récompense. Ça ne veut pas dire qu'elle arrête la prière. Elle doit prier, mais sa punition, c'est qu'elle n'a pas de récompense. Allahu Akbar. Vous imaginez? Elle prie les 5 prières, elle prie le Tarawih, elle n'a pas de récompense. Pourquoi? Juste parce qu'elle s'est rendue auprès d'un ennemi d'Allah et des messagers d'Allah, alayhim as-salam. Le simple fait d'aller chez eux, le simple fait d'aller dans sa pièce diabolique, Allah, il n'accepte pas la prière de cette personne pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et tu trouves des pauvres gens perdus. Son enfant est malade. Au lieu de lever les mains vers celui qui voit tout, celui qui entend tout, celui qui soigne le malade et dissipe la tristesse, celui qui a élevé les cieux sans pilier, celui qui a sauvé Nuh, alayhi salam, sur l'arche, lors de la tempête, et celui qui a sauvé Ibrahim, alayhi salam, du feu, il lui a ordonné de devenir fraîcheur salutaire. Celui qui a secouru le prophète sallam le jour de la bataille de Badr. Celui qui a sauvé Younous alors qu'il était dans les profondeurs de la mer, dans les ténèbres de la nuit et du ventre de la baleine. Celui qui répond à l'appel de celui qui l'invoque, il oublie Allah.
Et il va se rendre chez ce menteur, arnaqueur. Subhanallah al-Azim. Celui qui fait ça, il ne connaît pas Allah. Il ne connaît pas la pitié d'Allah et qu'Allah entend tout, il voit tout et il soigne le malade. Il guérit, il guide, il aide, il secourt, il protège, il défend. Kulla yawmin huwa fi sha'an. Chaque jour Allah Azza wa Jal fait. Il donne la vie en tel, il reprend en tel. Il élève en tel, il rabaisse en tel. On doit se diriger que vers Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis en réalité, ma vie, ma mort, ou plutôt ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé dans cela. Amma yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su. Qu'est-ce qui répond à l'appel de celui qui est dans la grande difficulté et qui dissipe le mal? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on pourrait se diriger vers autre qu'Allah azza wa jalla? On doit chercher l'aide auprès d'Allah quand on a un problème. On doit chercher le secours auprès d'Allah quand on a un problème. On doit chercher la guérison chez Allah quand on est malade. Le prophète alayhi salatu wa salam a éduqué Abdullah ibn Abbas alors qu'il était enfant sur cette croyance. Ya ghulam, innu allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadak. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Ida sa'alta fas'alillah. Wa ida sta'anta fas'ta'in billah. Ô jeune homme, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve les limites d'Allah, il te préservera. Préserve les limites d'Allah, tu le trouveras toujours devant toi. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, Allah sera avec toi, il t'aidera, il te secourra. Quand tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, recherche-la auprès d'Allah. Ça, c'est l'éducation qu'on doit avoir et qu'on doit donner. Le fait de diriger notre être et notre cœur toujours que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne jamais se rendre auprès des sorciers, de ces démons devins, prétentieux. Wa inna lillahi wa inna raji'un. Tu trouves dans beaucoup de pays des gens qui, lorsqu'ils ont un problème, au lieu de se diriger vers Allah, au lieu de lever les mains vers Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui répond à la demande, il se dirige vers qui? Il demande, vous ne connaissez pas quelqu'un qui fait quelque chose? Vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut m'écrire quelque chose? On m'a dit que lui, il était fort. On m'a dit que lui, un tel. Attention, un tel, il a des pouvoirs. Attention, c'est lui qui m'a fait ça. Je n'avais pas d'enfant, lui. Par sa cause, je suis tombé enceinte. A'oudhou billah. La femme, elle n'arrive pas à avoir des enfants, elle va voir le sorcier. La femme, elle jalouse sa sœur, elle va voir le sorcier. La femme, elle se dispute avec un tel, elle va voir le sorcier. Un tel se dispute avec un tel, il va voir le sorcier pour lui faire quelque chose. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ils disent qu'ils sont musulmans. Ils disent qu'ils croient en Allah. Et au jour dernier, ils disent qu'ils croient au livre d'Allah, le Coran, et que c'est sa parole. Où sont ces gens-là des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam? Où sont ces gens-là de la connaissance de l'islam? Il faut avertir contre ce fléau. Il faut avertir contre ce fléau. Et il touche majoritairement les ignorants habitants des campagnes et les femmes. Les ignorants habitants des campagnes parce qu'ils sont loin de la science. Et les femmes. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Voici ici la mention de Harut et de Marut. Ce qui a été révélé ou été descendu sur les deux anges. Ensuite, on nous mentionne Harut et Marut. Wa ma yu'allimani min ahad. Il n'enseigne à personne. Hatta yaqula, si ce n'est en disant avant, inna ma nahnu fitna, nous ne sommes qu'une tentation, un test, une épreuve. Fala takfur, ne m'y crois pas. N'apprends pas la sorcellerie. Attention, on n'est qu'une tentation, une épreuve. Retourne d'où tu viens, n'apprends pas. Car en apprenant cela, tu tombes dans la mécréance. Ainsi, on a le jugement ici du simple apprentissage de la sorcellerie. Pratiquer la sorcellerie, c'est de la mécréance. Mais sachez également que le simple apprentissage de la sorcellerie, juste apprendre, c'est déjà de la mécréance. Juste apprendre, c'est déjà de la mécréance. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Il n'enseigne à personne. حَتَّى يَقُولَ, si ce n'est en disant avant, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَا فَلَا تَكْفُرْ. Nous ne sommes qu'une tentation, ne m'écrois pas. C'est-à-dire, en apprenant la sorcellerie, c'est tu tombes dans la mécréance. En faisant, tu tombes dans la mécréance. En apprenant, tu tombes également dans la mécréance. Sur l'explication de ce verset, il y a une divergence depuis l'époque des sahabes, radiyallahu anhu. Et Cheikh Taqi al-Din al-Hilali rahimahullahu ta'ala, ce grand savant,
nous dit qu'il n'y a pas un verset devant lequel j'ai trouvé plus de difficultés à son explication que ce verset. Et cela, car depuis l'époque, des compagnons, ils ont divergé. Ils ont divergé. Puis il explique et il dit, et je cherche l'aide auprès d'Allah, et j'ai choisi l'avis que je vois le plus authentique en conformité avec les bases. Et je ne prétends pas être exempt de toute faute. Je dis donc, et auprès d'Allah je cherche la réussite. أكثر المفسرين على أنما موصولة فمعناها أن الشياطين كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونه ما أنزل على الملكين اللذين أنزلهما الله في بابل بأرض العراق يعلمان الناس السحر فتنة لهم للتمييز بين من يؤمن بالله ويطيع الله ويلتزم حدوده وبين من اتبع هواه وكفر بالله وعصى أمره وكانا لا يعلمان أحدا حتى ينصحاه ويختبراه بالعاقبة الوخيمة لمن يتعلم السحر المشتمل على الكفر فإذا أبى إلا التعلم والعمل به علماه قالوا لا مانع أن يبتلي الله عباده بمثل هذا شيخ تقي الدين رحمه الله تعالى mentionné le premier avis. Il dit, la plupart des savants disent que ma, dans le verset, wa ma unzila, c'est mausoula, c'est-à-dire dans le sens de al-lavi. Donc le sens, c'est que les shayatin enseignaient aux gens la sorcellerie en leur transmettant, en leur enseignant ce qui avait été révélé sur deux anges qu'Allah avait fait descendre à Babil. Babylone, qui est un endroit se trouvant en Irak. Babil, c'est un endroit en Irak. Donc cet avis dit que les shayatines enseignaient aux gens la sorcellerie en prenant ce qui avait été descendu sur deux anges. Qu'Allah avait fait descendre sur la terre de l'Irak qui s'appelle Babil. Et ces derniers, ces anges, enseignaient aux gens la sorcellerie à titre de tentation et d'épreuve, afin de distinguer entre les vrais croyants, ceux qui ont foi en Allah, qui obéissent à Allah, et suivent, ou bien ça se tiennent à ses limites, et les autres qui suivent leur passion, mécroient en Allah et désobéissent à ses ordres. Mais au préalable, ces deux anges n'enseignaient à personne la sorcellerie, si ce n'est en les avertissant. Et en leur disant, en les conseillant, et en leur montrant la gravité et les graves conséquences de leur action s'ils font ça, s'ils faisaient ou s'ils s'adonnaient à cet apprentissage. C'est que la sorcellerie et son apprentissage comprenaient forcément la mécréance. Si la personne insistait, était déterminée et ne rebroussait pas chemin, à ce moment-là seulement, on lui enseignait la sorcellerie. Donc le premier avis, c'est quoi? C'est de dire que ce sont des anges à la base. Ils ont été envoyés par Allah pour tenter les gens, pour les tester, et la sagesse de ça, distinguer entre les vrais croyants des autres. وَقَالَ آخَرُونَ. D'autres ont dit, et ça c'est l'avis soutenu par Ibn Jarir al-Tabari, l'imam des Mufassirin. Ma nafia. Il dit que ma, c'est pas mausoula, mais c'est plutôt nafia. Ma dans le verset, c'est la négation. Et non pas le sens qui reviendra à dire que ce sont les anges qui ont sonné la sorcellerie. Non. Mais plutôt la négation. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal n'a pas fait descendre la sorcellerie sur ces anges-là. C'est pas eux qui sont venus avec la sorcellerie. Ils n'ont pas eu pour mission d'enseigner aux gens la sorcellerie. Ces deux anges, il fut dit que c'est Djibril et Mikaël. Djibril et Mikaël. Et d'autres ont dit d'autres avis. Pourquoi Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, dit que ça n'est pas l'avis prépondérant?
et que c'est pas aux anges qu'on a donné cette, à qui on a donné cette mission, ni sur eux qu'on a fait descendre la sorcellerie, et c'est pas Allah Azza wa Jal qui a révélé la sorcellerie. Pourquoi cela? Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala nous dit: لأن الله حرم السحر car Allah interdit la sorcellerie. وجعله كفرا وشرا وفسادا et il, il en a et son jugement il l'a rendu mécréance, mal et désordre. كيف ينزله على الملكين ليعلم الناس, comment est-ce qu'il aurait pu révéler cela sur deux anges afin qu'à leur tour ils enseignent ça aux gens. وقد أخبر أن الشياطين هم الذين كفروا. Ajoutez à cela qu'Allah nous a informé que ce sont les diables qui ont mécru. Ce sont les diables qui ont mécru. وهم الذين يعلمون الناس السحر, et ce sont ceux qui enseignent aux gens la sorcellerie. فكيف يفعل الملكان ما تفعله الشياطين, comment est-ce que les deux anges auraient pu faire ce que font les shayatin, mécroire en enseignant aux gens la sorcellerie. والله لطيف بعباده, alors qu'Allah est plein de douceur envers ses serviteurs. Ibn Taqi al-Din al-Hilali rahimahullah ta'ala, ce grand savant, cet imam marocain rahimahullah ta'ala, nous dit wa hadha al-qawl alladhi sharahat lahu nafsi, il dit cet avis c'est l'avis qui a apaisé mon cœur, cet avis c'est l'avis qui a apaisé ma poitrine, wa tma'anna ilayhi qalbi, et qui a apaisé mon cœur. Amma Harut wa Marut, quant à Harut et Marut, si on suit le premier avis, c'est-à-dire que ce sont les anges qui ont eu cette mission-là, alors on dira que ce sont le nom de deux anges, Harut et Marut, en prenant le premier avis. Pas l'avis d'Ibn Jarir al-Tabari, pas l'avis de Sheikh Taqiyyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, mais le premier avis. Ça reviendra à dire que Harut et Marut sont le nom de deux anges. Wa ala al-qawli alladhi ikhtartuhu wa tabatu fihi Ibn Jarir, par contre, selon l'avis que j'ai choisi moi, et dans lequel j'ai suivi Ibn Jarir, et là il y a une grande éducation, c'est que les savants ne font suivre que les savants avant eux. Naam, et le fait de ne pas mentionner de nouvelles paroles émanant de nous, c'est une noblesse, c'est pas une faiblesse. Donc on doit appeler à revenir aux savants. Et nos savants nous appellent à revenir aux savants anciens. Et nos savants anciens à revenir aux sahaba. Et les sahaba à revenir au prophète sallam. Et c'est ainsi qu'on sera bien guidé. En revenant au savant de la sunna, en revenant au compagnon, en revenant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation et le Coran. Donc il dit l'avis prépondérant, là, c'est l'avis d'Ibn Jarir. Harut et Marut en réalité ne sont pas le nom de deux anges, mais c'est le nom de deux hommes, min ahli Babil, de la ville de Babylone qui se trouve en Irak. وكان يفعلان ذلك وكان مع ذلك ينصحان الناس بعدم التعلم فمن أبى علماه. Donc voici ce qu'il faudra retenir, c'est que Harut et Marut sont deux hommes de la ville de Babylone. Babylone se trouvant en Irak, il s'adonnait à l'enseignement de la sorcellerie pour celui qui voulait apprendre cela. Mais avant ça, il le conseillait. Avant ça, il l'avertissait. Et il disait, nous ne sommes que tentation, ne m'écrois pas. Si la personne insistait, elle ne voulait pas rebrousser ce chemin, alors il lui enseignait sa sorcellerie. Ce avec quoi ils allaient pouvoir séparer entre l'homme et son épouse. Ce avec quoi ils allaient pouvoir faire régner la haine dans le couple et entre les bien-aimés, entre les biens. Ma yufarriquna bayna ar-rajul wa imra'ati. Ce avec quoi ils allaient pouvoir séparer entre l'homme et son épouse. Bi iqa'il bughd baynahum. En faisant sorte que la haine ait lieu entre les deux, la dissension et l'animosité. Wa huwa fasadun wa sharr. لا يستطيع شياطين الإنس والجن أن يفرقوا أحدا بسحر إلا إن يشاء الله. Et il nous dit ensuite, pour finir, que c'est un mal. Et ces shayatin, ce qu'ils font, sachez qu'ils ne peuvent le faire qu'avec la permission d'Allah. Si Allah ne décrète pas que cette sorcellerie aura tel effet sur telle personne, ça n'a pas d'effet.
Donc c'est pas automatique non plus, c'est dans le décret d'Allah. Si Allah le décrète pour une sagesse qu'il sait, il se peut qu'Allah permette cette sorcellerie de toucher telle personne, parce qu'en étant touchée par telle épreuve, elle va revenir vers Allah. Elle va se repentir de ses péchés. Elle va mieux prier, elle va mieux se couvrir. Alors c'est une sagesse. Il y a un bien qui en découle, c'est qu'elle revient vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours une sagesse. Il y a toujours une sagesse. Ça, c'est ce dont on n'a pas le droit de douter. Donc voici qui sont Harut et Marut. Allah nous dit ensuite, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَّ مَا يُفَرِّقُونَ بِيْبَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Ils apprennent de deux, c'est-à-dire ils apprennent de Harut et de Marut, ces deux hommes de la terre d'Irak, Babil. مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ, ce avec quoi, c'est-à-dire la sorcellerie. C'est-à-dire la sorcellerie. Ils vont séparer entre la personne et son épouse, c'est-à-dire les gens mariés. Dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna iblis yad'u 'arshahu 'ala al-ma' wa yab'athu saraya fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah ay idlalan yaji wahaduhum fa yaqulu fa'altu kadha wa kadha fa yaqulu ma sana'ta shay'a qala yaji ahaduhum yaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu baynahu wa bayna ahli fa yudnihi min wa yaqulu ni'ma anta ant subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Iblis met son trône sur l'eau. Puis il envoie ses délégations, son armée, les shayatins, ceux qui sèment le désordre sur la terre d'Allah et poussent les gens à tomber dans le péché. Celui qui a la place la plus rapprochée de lui est celui qui a fait le plus de troubles. C'est-à-dire celui qui a le plus égaré les gens. Plus il fait tomber dans le haram, grave, mieux il a auprès d'Iblis. Plus proche il sera d'Iblis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'un d'entre eux, de ses émissaires, de Shayatin, lui revient et lui dit, j'ai fait telle chose et telle chose. C'est-à-dire, j'ai fait tomber dans tel péché, il a volé, ou bien il a bu de l'alcool, ou bien il a fumé, ou bien il a commis tel acte, il parle avec telle femme, alors qu'il n'est pas marié avec elle. Ou bien telle femme, je lui ai fait enlever son hijab, ou je lui ai fait retarder la prière à l'heure, ou bien j'ai fait tomber un tel dans la fornication, ou bien j'ai fait tomber un tel dans la désobéissance envers ses parents, ou une telle dans la désobéissance de son époux, ou bien un tel, il a battu son épouse. Et ainsi de suite. Ils viennent, il lui dit, j'ai fait tomber un tel dans ça, je fais tomber. Vous savez ce qu'il répond? Il répond, retourne, tu n'as rien fait. Retourne, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce qu'il va regretter, il va se repentir, Inch'Allah. Le croyant, il est ainsi. Le croyant, quand il tombe dans la faute, il se repent. Il demande pardon à Allah Azzawajal, il regrette, ses larmes coulent. Il revient vers Allah, il augmente les hasanats, il diminue encore plus les péchés. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal nous montre ces pécheurs repentants qui reviennent vers Allah, ces croyants qui ont foi en Allah, qui aiment Allah, mais qui sont tombés par moments, qui ont glissé, qui ont commis des fautes, mais ils aiment Allah et son messager, ils ont peur d'Allah, de son enfer, ils aiment Allah, ils veulent son paradis, son agrément, mais ils ne sont pas infaillibles, ils peuvent tomber dans des fautes et dans des péchés, mais Allah Azza wa Jal nous montre leur comportement et leur état. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, ceux qui lorsqu'ils tombent dans des turpitudes, ou bien se causent du tort contre eux-mêmes, c'est-à-dire ils font des grands péchés ou bien des petits péchés, ذَكَرُوا اللَّهِ, ils se rappellent d'Allah, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, alors ils demandent pardon pour leurs péchés, ils demandent à Allah de leur couvrir leurs fautes, leur effacer leurs fautes, de ne pas les châtier pour leurs fautes ni dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ils ne restent pas dans cela. Ils sortent du péché, ils se repentent, ils arrêtent.
Ils ne restent pas dans les péchés alors qu'ils savent. Ça, c'est le comportement. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. C'est ainsi que doit être le croyant. S'il tombe dans une faute, il la reconnaît, il se repent, il arrête immédiatement. Il revient vers Allah, il cache son défaut, son péché, et il demande à Allah de lui couvrir, de lui effacer. Et il ne retombe pas dans le péché. Et s'il retombe, ben il revient vers Allah à nouveau. Il ne délaisse jamais l'istighfar. Il ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, il est pardonneur et miséricordieux. Le prophète dit, tout fils de Adam est pécheur et le meilleur de ceux qui pêchent sont ceux qui se repentent. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Si Shaitan vient et te dit, tu as fait telle chose et tu as refait telle chose, Allah ne va jamais te pardonner. Tu es un pécheur, n'écoute pas cela. Mais dis-moi, mon Seigneur, il est pardonneur miséricordieux, je ne cesserai de revenir vers lui. Dans le hadith, Iblis a dit à Allah, bi'izzati wa jalalik, wa bi'izzatika wa jalalik, par ta magnificence, je ne cesserai d'égarer le fils de Adam tant que son âme sera encore dans son corps. Allah Azza wa Jalla lui a répondu, wa bi'izzati wa jalali. Par ma puissance et ma magnificence, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Allahu Akbar. Tu as une arme immense devant ce diable, ton ennemi déclaré. C'est l'istighfar. D'abord, tu patientes, tu endures, tu ne tombes pas dans le péché. Et si jamais tu tombes dedans, tu te repens immédiatement. Tu n'attends pas. Fafirru ila Allah. Sauvez-vous vers Allah. Et quel meilleur mois que le mois de Ramadan pour revenir vers Allah, pour cesser tout péché. Celui qui avait du laxisme dans l'apprentissage de sa religion, il apprend. Celui qui avait de l'éloignement devant le Coran, il revient au Coran. Celui qui avait de l'éloignement dans la prière, il commence la prière, il apprend la prière. Celui qui priait chez lui, comme les femmes le font, il devient un homme. Il prie à la mosquée, avec les hommes. Celui qui priait en retard, il prie à l'heure. Celui qui ne sortait pas la zakat, il sort la zakat. Celui qui ne jeûnait pas comme il fallait, il apprend comment est-ce qu'Allah veut qu'il jeûne, il jeûne comme cela. Celui qui a délaissé le pèlerinage, alors qu'il a la santé, les moyens, il fait le pèlerinage. Il se repent de toute faute, il apprend comment il faut adorer Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas meilleur mois que ce mois pour le faire. Et après Ramadan, il reste sur la droiture. Fastaqim kama umirt. Observe la droiture comme il t'a été ordonné, commandé. C'est ainsi qu'est le croyant. Donc, ce diable revient à Iblis et lui dit, j'ai fait tomber un tel dans tel péché, un tel dans tel péché. Il lui dit, tu n'as rien fait, retourne. Tu n'as rien fait, retourne. Puis, un autre parmi les diables lui vient et lui dit, moi, je n'ai cessé de rester auprès d'un tel. Je n'ai cessé de rester auprès d'un tel. Et je ne l'ai pas laissé, si ce n'est après qu'il l'ait divorcé, si ce n'est après qu'il se soit séparé. J'ai causé la désunion entre un tel et un tel. Moi, je suis resté auprès de lui et j'ai semé la zizanie dans leur couple jusqu'à ce qu'ils se soient séparés. À ce moment-là, Iblis lui dit, Ni'ma ant, quelle bonne personne tu es. Comme l'expression qui dit, toi tu es un bon. Il lui dit, toi tu es un bon. Celui qui fait le plus de mal, c'est le meilleur auprès d'Iblis. Parce qu'il y a le bien, l'imam du bien, l'imam du mal. L'imam du mal, c'est Shaitan Iblis. L'imam du bien, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu fais du bien, plus tu seras proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Plus la personne fait du mal, plus elle est proche d'Iblis. Alors qu'Allah nous a interdit de le suivre. Ou vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaitan. Allah nous dit, Nahu lakum adu mubin. C'est votre ennemi déclaré. Il nous appelle à l'enfer. Lui est inscrit en enfer et il veut faire entrer la plus grande part possible avec lui en enfer. Nas'alullah al-afiyah. Cette forme de sorcellerie, le fait de séparer entre les bien-aimés, de séparer entre les couples, elle s'appelle, comme a dit Ibn Uthaymeen, as-sarf.
Cette sorcellerie-là, elle a un nom particulier, elle s'appelle As-Sarf, avec un Sad, un Ra et un Fa. L'inverse, c'est une autre sorte de sorcellerie, c'est unir et mettre dans le cœur d'un tel ou une telle un amour très fort qui lui causera une grande souffrance lorsqu'elle ne sera pas en présence de cette personne-là, lorsqu'elle en sera éloignée. Et ce deuxième type de sorcellerie s'appelle Al-Atf. Donc Al-Sarf, c'est ce qui cause la désunion. Le contraire s'appelle Al-Atf. C'est ce qui cause une union qui n'avait pas lieu. Qui n'avait pas lieu au point où la personne devient esclave de ses passions, esclave de cette personne-là. Et elle tombe malade, elle peut même en mourir de l'éloignement de cette personne. Elle tombe dans une servitude, une adoration presque de cet être. Wal'iyadhu billah. Donc ça, c'est une forme de sorcellerie les plus répandues. Et les gens se rendent auprès des sorciers pour avoir cela. Un tel n'arrive pas à épouser telle femme, une telle n'arrive pas à se marier avec un tel, elles vont voir les sorciers. Ou bien un tel est marié avec une telle, ils leur font cette sorcellerie pour que par la suite l'homme qui souhaitait cette femme puisse l'épouser après. Ou bien la femme qui souhaitait tel homme puisse être épousée par lui après. Et tous ceux-là, ces hommes et ces femmes et ces shayatines sont tous des shayatines. Parce que le shayatine, c'est celui qui s'est éloigné de l'obéissance d'Allah. Il y a des shayatines djinns et il y a des shayatines ins. Tous ceux-là sont des shayatines. Parmi les humains et parmi les démons. Ensuite, Allah nous dit « وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » Mais ils ne peuvent nuire à autrui si ce n'est avec la permission d'Allah. Ça, c'est une croyance qu'il faut avoir. C'est-à-dire que le sihr existe, c'est une réalité. C'est un mal et c'est une mécréance. Mais il ne faut pas penser que le sahir, le sorcier, a des pouvoirs. Le pouvoir de décréter ce qu'il fait se passe de manière inéluctable. C'est-à-dire qu'on ne peut le repousser. Non, c'est pas comme ça. C'est réel, il y a des effets réels. Mais ça se produit que si Allah le permet. Que si Allah le permet par une sagesse qu'il sait lui, subhanahu wa ta'ala. Et on ne le questionne pas sur sa sagesse, c'est nous qui sommes questionnés. Donc ça ne marche pas, ça n'a pas lieu, on va dire, à tous les coups. Mais, que si dans le décret d'Allah ça a été mentionné, que si Allah Azza wa Jal le veut de manière universelle. Donc, comme l'a dit l'imam al-Shawkani, rahimahullah, le sihr a un effet certes, mais il ne nuit de manière réelle à la personne que lorsqu'Allah permet cet effet. Et rappelez-vous le hadith du prophète sallam lorsqu'il a dit à Abdullah ibn Abbas, « Ô jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, c'est-à-dire les limites d'Allah. Obéis-lui, éloigne-toi de sa désobéissance, il te préservera. Il te préservera, c'est-à-dire dans tout, dans ta religion, dans ton épouse, dans tes enfants, dans tes biens, dans ta santé, dans tout, Allah te préservera si tu le crains. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi, c'est-à-dire quel que soit l'endroit dans lequel tu te diriges pour faire des choses, Allah t'aidera, il te facilitera. Quand tu demandes une chose, demande à Allah. Quand tu cherches l'aide, recherche-la auprès d'Allah. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْنْ إِلَّا بِشَيْنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ ou lak. Et sache que si tout le monde s'unissait pour te faire un bien, il ne pourrait le faire sauf un bien qu'Allah t'a écrit. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et si toute la communauté s'unissait pour te toucher d'un mal, il ne pourrait le faire sauf ce qu'Allah t'a déjà écrit. رُفِعَتِ الْأَقْلَامِ La plume a été levée, وَجَفَّتِ الصُّحُفِ Et l'encre a séché. Le décret, il a déjà été inscrit. Le sorcier n'a pas le pouvoir d'affecter le décret. Il ne se passera que ce qu'Allah a décrété. Donc on ne va pas repousser la sorcellerie en allant voir nous aussi un sorcier. Eux, ils sont tombés dans la mécréance. Est-ce que nous aussi on va tomber dans la mécréance pour sauver la santé, pour sauver telle chose ou telle chose, ou pour avoir de l'argent ou autre? Non, notre religion, elle est bien plus chère que tout cela. L'islam, c'est ton investissement de base. On préserve toujours l'investissement de base. On ne le sacrifie pas pour un bénéfice vil. Donc tu préserves ton islam. Sacrifie jamais ton islam. Avec la sorcellerie, on allait voir les sorciers en croyant, en ayant foi en eux et en mécroyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous mentionne une parole magnifique à cet effet.
Il nous dit falqalbu, et cela dans Zadul Ma'ad, falqalbu idha kana muttasilan, ou plutôt falqalbu idha kana mumtali'an min Allah maghmuran bi dhikrihi wa lahu min at-tawajjuhati wad-da'awati wal-adhkari wat-ta'awudhat wirdun la yukhillu bihi yutabiqu fihi qalbuhu lisana كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et là on adresse un message à tous ceux qui sont touchés par la sorcellerie, et on adresse un message à tous ceux qui ne le sont pas également afin de s'en prémunir. Nombreux sont les pauvres qui se plaignent de la sorcellerie, on demande à Allah Azza wa Jal qui leur accorde la guérison. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. Allahumma ya hayy ya qayyum. Ya dhal jalal wal ikram. Nas'aluka ya Allah bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula an tashfiya man ibtuliya bis-sihr. Allahumma shfihim. Allahumma shfihim ya rabbal 'alamin. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والكهان والدجالين. ابن القيم رحمه الله تعالى نجي le cœur s'il est rempli d'Allah, s'il est irrigué par la mention d'Allah ou rempli de la mention d'Allah, de son évocation, et il se dirige exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il l'invoque, il est rempli de dua et d'invocation. Cette personne-là, elle fait dua, son cœur est rempli de mention d'Allah, de son évocation, et il cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait cela régulièrement et constamment. La yukhillu bihi yutabiqu bihi fihi qalbu lisana. C'est pas une personne qui fait ça que avec sa langue ou en étant distrait, non. Elle mentionne Allah, elle cherche l'aide et la protection auprès d'Allah. Son cœur est en concordance avec ce qui sort sur sa langue. Sa langue, ce qu'elle prononce, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Son cœur est en lien direct avec sa langue lorsqu'il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, par exemple. Ou ya Allah, sauve-moi, préserve-moi, défends-moi, repousse de moi ce mal. C'est pas qu'une parole, non. Sa langue est en concordance avec l'état de son cœur, complètement dirigé vers Allah, sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit, cela est certes parmi les plus grandes causes qui permet de repousser et de protéger contre la sorcellerie. Cet état du cœur, ce lien avec Allah, cette piété. Et parmi les plus grandes causes qui permettent de soigner celui qui a été touché de sorcellerie. Soigner celui qui a été touché de sorcellerie. N'écoute pas ceux qui te disent, va voir le sorcier, va voir le marabout, il va t'écrire un truc, il va te faire quelque chose. Ensuite, ils mettent quelque chose dans l'eau, ils te le font boire et te laver. Non. Dirige-toi vers Allah. Lève tes mains vers Allah. Demande à Allah de te soigner, de te guérir, de te protéger. Jeûne, prie, adore Allah, préserve ta prière. Cherche en toi les défauts, les péchés, corrige-les, repens-toi. L'épreuve, elle vient des péchés souvent. Repens-toi, délaisse les péchés. Prie à l'heure, rajoute des nawafil. Lève-toi dans la nuit, au dernier tiers de la nuit. Demande à Allah dans les ténombres, dans les ténèbres de la nuit, dans la pénombre. Demande à Allah de te soigner. En soujoud, demande à Allah. Après la salat, lève tes mains, demande à Allah. Jeûne, et dans la journée, fais dua. Au moment de couper, fais dua. Fais des aumônes, des sadaqas. Le prophète sallam dit, soignez vos malades avec des sadaqas. Fais des sadaqas et demande à Allah de te soigner. Sois sincère et demande à Allah de te soigner. Fais tes invocations du matin, tes invocations du soir. Tes invocations au moment de te coucher. Fais le wudu avant de dormir. Récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Récite Ayat al-Kursi le matin. Récite Ayat al-Kursi après l'as, fais tes invocations. Éloigne-toi de la musique. Écoute le Coran, lis le Coran. Fais-toi ruqya avec Al-Fatiha, avec Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbin Nas,
قل هو الله أحد سورة البقرة سورة العمران لا يستطيعها البطلة. Les shayatins n'arrivent pas à avoir de l'emprise. On récite Al-Baqara et Al-Imran. Et récite Al-Baqara. Récite le Coran. Fais-toi ruqya avec le Coran. Et éloigne-toi de ces démons, de ces shayatins, de ces marabouts et de ces sorciers, ces devins. Ils ne feront que t'ajouter peine sur peine. Wallah. Le remède, il se trouve chez Allah. Ibrahim alayhi salam, comme on trouve dans le Coran, wa idha marittu fa huwa yashfin. Quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Wallahi, tout notre bien est chez Allah. Tout notre mal réside dans le fait de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran une règle générale qui ne change pas concernant les sorciers. Wala yuflihu sahiru haythu ata. Et le sorcier ne réussira jamais où qu'il se rende. Où qu'il se rende, il ne réussira jamais. Comment toi tu vas chercher la réussite chez lui alors qu'Allah a décrété et personne ne peut bouger son décret que le sorcier ne réussira jamais. Le sorcier ne réussira jamais. Oh combien sont à plaindre ceux qui vont voir les sorciers pour s'enrichir et pour réussir. Subhanallah, il est pauvre et besogné lui-même chez Allah. Comment est-ce qu'il va t'enrichir toi? Il n'a pas réussi à s'enrichir lui-même. Toi, tu es au-dessus de lui, tu ne fais pas la manche pour un poulet. Et lui, il te dit de lui donner un poulet. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Il te dit donne, tu dis j'ai rien, il te dit donne, même 3 euros, même 5 euros. Et ensuite, il paye quelqu'un pour mettre dans les boîtes aux lettres le grand marabout un tel, le grand frère un tel. Si tu l'appelles, il règle tes problèmes de cœur, il règle tes problèmes de non-fertilité ou de je ne sais quoi. Subhanallah. Lui-même, il a des problèmes. Il n'arrive pas à les régler. Comment est-ce qu'il va rendre? Il va régler les tiens. Il va régler. Comment est-ce qu'il va régler les tiens? Cette sorcellerie, c'est l'héritage des shayatins qui a été pris par les gens du livre, puis l'enseigner aux gens. L'abid, au temps du prophète sallam, c'est lui qui a ensorcelé le prophète alayhi sallam. Comment est-ce que tu vas leur ressembler, toi? Wal'iyadu billah. Le sorcier doit se repentir. Et s'il se repent, Allah Azza wa Jalla accepte son repentir. Qul lil ladina kafaru in yantaw yughfar lahum ma qad salaf. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, on leur pardonnera ce qui est passé. Et vous connaissez tous l'histoire des sorciers de Pharaon. Quand ils se sont repentis, Allah Azza wa Jalla en a fait des awliya, des gens pieux. Il les a mentionnés, il a mentionné leur histoire dans le Coran. Donc on doit faire attention. On ne doit pas se plier devant les sorciers, les marabouts, avoir peur d'eux. Ah, il a des pouvoirs, il a... Non! وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ce n'est qu'avec la permission d'Allah qu'il y aura un effet. Cela doit nous pousser à nous diriger vers qui alors? Si c'est tout l'ordre, il est chez Allah. Si c'est Allah qui décide de tout, on doit se diriger uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Ce sont ceux qui sont proches d'Allah qui seront au-dessus, qui seront les plus forts et qui seront au-dessus. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que les shia, que les sahara, que les sorciers savent que les effets majoritaires de leur sorcellerie ont lieu sur al-qulub al-dha'ifa, sur les cœurs faibles. Wa an-nufus ash-shahwaniyya, et les âmes remplies de passion, ceux qui penchent ardemment vers les passions. التي هي معلقة بالسفليات والتسفليات يعني vers la bassesse des choses, les choses viles et basses. ولهذا فإن غالبا ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي. Puis il nous dit, c'est pour cela que la plupart des effets touchent les femmes, les enfants, les ignorants et les habitants des campagnes. وَمَنْ ضَعُفَ تَعَلُّقُهُ مِنَ الدِّينِ. Et ceux dont les liens avec la religion sont faibles. وَالتَّوَكُّلِ وَالتَّوْحِيدِ. Et ceux dont le tawhid et la confiance en Allah sont faibles. Ils comptent sur Allah mais c'est faible ou peu. Et ceux
qui ne font pas régulièrement leurs invocations et ne sont pas régulièrement en lien avec Allah de par leurs invocations et demandes de protection rapportées par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est une parole très importante d'Ibn al-Qayyim qu'il convient de comprendre, de noter et de retenir. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُونَ » Et ils apprennent ce qui leur nuit et ce qui ne leur est pas utile. Donc ça, c'est une règle absolue sur la sorcellerie. La sorcellerie, ça ne peut jamais être bénéfique. Ça ne peut jamais apporter de bien. Par contre, de manière absolue, ça rapporte toujours du mal. Ça rapporte toujours du mal. Puis on nous dit « وَلَقَدْ عَلِمُوا » Ils ont très certainement su. L'aman ishtara, celui qui fait ce troc-là, celui qui fait ce commerce, celui qui l'achète, c'est-à-dire celui qui vend sa religion contre les services du diable, celui qui devient un sorcier, celui qui troque son islam et son tawhid, son paradis, contre quoi? Contre les services du diable, celui qui devient un sorcier. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Il n'aura aucune part dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que le mécréant ne rentre pas au paradis. Il n'aura aucune part. Et lui, il a vendu son islam, il a choisi la mécréance. Il n'a aucune part dans l'au-delà. Wala bi sama sharoubi. Et quelle mauvaise chose ils ont acheté. Law kanu ya'lamun. Si seulement ils savaient. Ici, on voit que le sihr jamais n'apportera de bien à la personne. Ni au sorcier, ni celui qui a demandé ses services, ni celui qui l'a appris. Ça n'est que du mal et calamité. Ça n'est que mal, calamité et désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui rentre dans ce domaine, il n'aura que du mal, il n'aura que des peines. Et il ne fera que regretter dans le meilleur des cas. De ce passage, on tire de nombreuses leçons. C'est que ceux qui ont apporté le sihr, ce sont les shayatins. Deuxièmement, ceux qui ont appris d'eux, ce sont les gens du livre. Et ce sont ceux qui l'ont propagé. Et l'Abid ibn al-A'sam, c'est celui qui a ensorcelé le prophète sallam à son époque. Et il faisait partie d'eux. On voit ici le mérite du prophète Suleyman alayhi salam et le fait qu'Allah l'ait innocenté de cette grave action. Le fait que Suleyman n'a pas agréé la sorcellerie et ne l'a pas commise. On tire de ces versets que l'apprentissage de la sorcellerie, c'est de la mécréance. La pratique de la sorcellerie est également de la mécréance. Mais celui qui s'en repent, Allah lui pardonne. Allah lui pardonne. Car il nous dit dans le Coran qu'il pardonne tous les péchés, ça c'est à condition qu'il y ait un repentir. Sans le repentir, c'est le verset « Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ». Certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk, en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire sans le repentir. Celui qui rencontre Allah yawm al-qiyam avec tout péché, mais il n'a pas fait de shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, lui pardonne. Il le met directement au paradis. S'il veut, le châtier en temps déterminé, en enfer, puis il le fait sortir, il le met au paradis, par sa miséricorde. Quant à celui qui rencontre Allah avec le polythéisme majeur, la mécréance majeure, il n'a aucun espoir de sortir de l'enfer. Il s'éternisera en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. » Certes, Allah ne pardonne pas le shirk, de donner un égal à Allah, de donner adoration pour autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah. Allah ne pardonne pas. Wa ma'wahu an-nar, le prophète nous dit, Allah dans le Coran même que sa destination soit à l'enfer. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Les injustes n'auront pas de secours. Ils n'auront pas de secours. On voit que malgré que les causes du haram soient facilitées, en réalité, ça n'est qu'une tentation pour te tester et voir si tu vas être ferme dans ta religion, avoir une foi forte et supporter la tentation, ou bien si tu vas céder. Donc ce n'est pas parce qu'il y a le haram que tu dois le commettre. Non, tu dois endurer. Allah aime les endurants. Allah est avec les endurants. Et l'endurance, c'est le fait de se retenir de commettre le péché. De rester constant dans l'obéissance d'Allah. Et de supporter lorsqu'il y a un malheur, une chose difficile, une chose qui ne te convient pas selon toi. Tu dois endurer et supporter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sera avec toi, il te secourera, il te défendra, il t'apportera l'apaisement. Allah t'aimera. Et il te récompensera d'une récompense sans compter comme c'est venu dans le Coran. Innama waffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, on rétribuera les endurants d'une récompense sans compter.
On voit ici l'obligation de l'obligation de donner le bon conseil aux gens quand ils veulent faire le haram, même s'ils n'acceptent pas, même s'ils se détournent. Parce que eux ont dit fala takfur, innama nahnu fitna fala takfur. Nous sommes qu'une tentation, ne m'y crois pas. Donc, ils insistent, ils le font, mais toi, tu dois faire ton travail. C'est conseiller les gens, avertir les gens. On voit ici la gravité du sihr. Et que c'est une des pires mécréances. On voit aussi la gravité de ses effets. Elle détruit les familles. Elle sépare entre les bien-aimés. Elle sépare entre l'homme et son épouse. Elle pousse l'homme au haram, donc. Elle pousse la femme au haram. Car lorsqu'il y aura l'inimitié dans le couple, ils ne vont pas faire ce qu'Allah veut d'eux. Ils ne vont pas se montrer comme Allah veut les voir. Ils vont désobéir Allah Azza wa Jalla. Aussi, il y aura une nuisance sur les enfants. Aussi, il y aura une nuisance sur les proches. Aussi, il y aura une nuisance sur la communauté. Donc, le sihr a les effets les plus néfastes et destructeurs. Et l'œuvre tout entier, et l'ordre tout entier, pardon, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman, il doit sans cesse se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires. Il doit sans cesse revenir vers Allah azza wa jal dans l'aisance et dans la difficulté. Al-Shir Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans son tafsir de certains versets du Coran, il a mentionné ce verset et il a cité beaucoup de sciences. Il a montré que parmi les gens du livre, certains, lorsqu'on leur demande la preuve, ils délaissent le livre d'Allah, ils le mettent derrière eux, et ensuite ils se dirigent vers des livres où il y a le faux, comme le livre qui avait été enterré, qui avait réuni de la sorcellerie. Le musulman, il doit être à l'inverse de cela. Quand on l'appelle à la preuve, il doit revenir au Coran. Que ce soit pour lui ou contre lui, il revient au Coran, il accepte les preuves du Coran et de la Sunna. On tire de cette histoire que les gens du faux peuvent arriver à un niveau d'égarement tel qu'ils vont se dédouaner en disant « Oui, mais un tel aussi l'a fait. » C'est-à-dire, ils font le haram, et ensuite ils disent « Oui, mais un tel l'a fait. » Quand tu le conseilles, ils disent « Oui, mais un tel l'a fait. » Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont fait de la sorcellerie. Ils ont dit « Oui, mais Suleyman aussi faisait la sorcellerie. » A'oudhu billah, Suleyman alayhi salam. « Oma kafarna Suleyman, comme Allah l'a innocenté. » Donc le fait de dire « Un tel aussi le faisait », ça n'enlève rien au péché de la personne. Et ça ne la dédouane pas. Tu vois aussi que les gens font le haram en connaissance de cause. En réalité, ils savaient, mais ils ont transgressé en connaissance de cause. Tu vois que certains affilient et attribuent au prophète d'Allah le faux et le mensonge, comme ils l'ont fait avec le prophète Suleyman. Et comme ils l'ont fait pour les prophètes et Mohammed, ils ont dit sans sahir. Ils ont dit c'est un menteur. Ils ont dit il y a un homme qui lui enseigne. Ils ont dit il a déterré un livre. Est-ce que ça nuit en quelque chose aux gens de la vérité lorsque les gens du faux parlent sur eux? Non. Donc ça, tu ne dois pas être touché quand les gens du faux parlent sur toi de par ta religion. Mais tu dois rester ferme et accroché à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que ce sont les shayatins qui ont propagé cela durant le règne de Suleyman. Que dire alors à notre époque? Si au temps de Suleyman alayhi salam, ils ont propagé le faux et la sorcellerie, qu'est-ce qu'on va dire alors à notre époque? Comment est-ce qu'elle va être propagée? On voit que les shayatines mélangent entre le faux et le vrai pour pouvoir le propager. Il y avait les feuillets où il y avait la science de Suleyman et ils ont ajouté la sorcellerie dedans. Parce que là, le faux, de manière absolue, personne ne va l'accepter. Le sorcier, qu'est-ce qu'il fait, le sorcier? Il a un djinn qui travaille avec lui. Le djinn, il entend une information, il la répète au sorcier. Le sorcier, il rajoute sans mensonge. Il rajoute sans mensonge. D'accord? Puis quand les gens viennent voir le sorcier, il leur dit par exemple 20. Parmi les informations, 20 choses. Et le pauvre, sur les 20, il n'y a qu'une chose qui est vraie. Et quand tu le conseilles, il dit oui, mais tel jour, il a dit ça, c'était vrai.
Subhanallah. Il oublie les 19 mensonges et il s'accroche. Il s'accroche à quoi? À la chose qui était vraie. Il s'accroche à la chose qui est vraie. Alors que lui, quand on va lui parler, si on se trompe une fois, il va dire c'est un menteur, je ne prends plus de lui. Regardez comment Shaitan joue avec cet homme-là. C'est comme cela que font les Shayatin parmi les humains. Ils disent des mensonges et ils disent une parole vraie pour pouvoir propager leur foi. Comme les gens de l'innovation. Comme les gens de l'innovation. Ils racontent des récits pour se faire aimer des gens et ensuite ils propagent leur venin, leur poison dans la communauté. Et ils divisent la communauté. Les Shayatin, les Sahara, ils disent, je vais t'écrire un truc, il y a du Coran, tu le gardes toujours sur toi, le gris-gris, tu le mets en dessous du livre, tu le mets dans sa poche, tu le mets dans son... Et il rajoute plein de mensonges avec. On a tiré également de cela que le sorcier, il mécroit. Pourquoi? Parce qu'on a dit que celui qui l'apprend, il mécroit. Celui qui apprend, il mécroit. Celui qui fait la sorcellerie, il n'a aucune part dans l'au-delà. Et celui qui n'occupe pas aucune part dans l'au-delà, c'est celui qui a mécru. Et ça, même s'il sait que c'est faux, s'il le fait, il sort de l'islam. On voit de cela que ce sont les sorciers qui ont enseigné aux gens la sorcellerie. On voit que la personne, quel que soit le rang de science qu'elle atteint, elle ne doit jamais se sentir à l'abri. Elle ne doit jamais se sentir à l'abri. Parce que Asif, il est auprès de Suleyman, il avait de la science. Pourtant, il s'est égaré par la suite. Il ne faut pas s'approcher de la tentation. Parce que lorsqu'ils allaient, ils s'approchaient, certains sont tombés dans la sorcellerie. D'autres ont rebroussé chemin, mais d'autres sont tombés dans la sorcellerie. La personne, elle doit demander à Allah d'être préservée. Elle ne doit pas se rapprocher de la tentation. Elle ne doit pas s'approcher des limites. Elle doit rester loin des limites. On voit la vasteté de la miséricorde d'Allah et de sa science. Parce que si ces gens-là se seraient repentis, Allah a accepté leur repentir. On voit que le shirk, c'est le pire des péchés. C'est le pire des péchés. On voit que le péché en appelle un autre. Et encore d'autres choses mentionnées. On va s'arrêter là juste avant. Je vais vous mentionner. Je vais vous conter une histoire étonnante. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit « Wa qad warada fi dhalika atharun gharib » وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. Ibn Kathir nous dit, il y a dans les textes une histoire très étonnante et j'ai voulu attirer votre attention dessus. Et Ibn Jarir l'a mentionné. Je saute un passage que Urwa, le neveu de Urwa, selon son père, selon Aisha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل ودومة الجندل. عائشة raconte et dit, et il fut dit que Aïcha, ou bien Aïcha raconte qu'une femme lui est venue de cet endroit-là. Elle lui a dit, ou bien elle dit, elle est venue à la recherche du prophète sallallahu alayhi, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après son décès. Après son décès. Peu après son décès, pour le questionner au sujet d'une affaire relative à la sorcellerie. Relative à la sorcellerie. Aïcha radiallahu anha a dit à Urwa, ô fils de ma sœur, car Urwa, c'est le fils de Zubayr, l'époux de Asma, la sœur de Aïcha radiallahu anha. فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle dit, ô fils de ma sœur, quand elle a vu que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était mort, j'ai vu qu'elle a pleuré. Et elle a tellement pleuré au point, à un point tel que j'ai pitié d'elle. Et elle disait, إني أخاف أن أكون قد هلكت. J'ai peur que par ce que j'ai fait, j'ai peur de périr suite à ce que j'ai fait. J'avais un époux qui a disparu. Je suis donc entré chez une femme âgée et je me suis plaint auprès d'elle de cela. Elle a dit, si tu fais ce que je t'ordonnerai, je ferai en sorte qu'il revienne à toi. Cette femme, elle aimait beaucoup son époux.
elle cherche des solutions. Elle est donc partie se plaindre auprès d'une femme âgée qui lui a dit « Je vais t'ordonner des choses, mais obéis-moi. Et si tu le fais, il reviendra. » Arrivée à la nuit, elle m'est venue avec deux chiens noirs. Elle est montée sur un des deux et je suis monté sur l'autre. Et rien ne se produisit jusqu'à arriver à Babil. C'est alors que nous avons trouvé deux hommes attachés par les pieds. Ils ont dit, qu'est-ce qui t'a amené ici? Elle a répondu, j'ai dit, ta'allum al-sihr, l'apprentissage de la sorcellerie. Faqala innama nahnu fitna fala takfur. Tous deux dirent, nous ne sommes qu'une tentation, ne m'écrois pas. Fala takfuri, ne m'écrois pas. Farji'i, retourne sur tes pas, retourne d'où tu viens. Fa abayt. Mais j'ai refusé. Wa qultu la, j'ai dit non. Qala fadhhabi ila dhalika tannur. Fabou les filles. Ils m'ont dit alors, rends-toi auprès de cet endroit, ce four, et urine dedans. Fadhhabtu fafazi'tu wa lam af'al. Quand je me suis rendu à cet endroit, j'ai eu peur. Alors je n'ai pas fait mes besoins. Faraji'tu ilayhima. Je suis revenu voir ces deux personnes. Faqala af'alti. Ils m'ont dit, est-ce que tu as fait? Qultu na'am. J'ai dit oui, elle a menti. Faqala hal ra'aiti shay'an? Ils lui ont dit, est-ce que tu as vu quelque chose? Qalat la, lam ara shay'an. Elle a dit non, je n'ai rien vu. Ils lui ont donc dit, lam taf'ali. Je ne l'ai donc pas fait. Je n'ai pas uriné dans cet endroit. Irji'i, retourne à cet endroit. Avant ça, ils lui ont dit, Irji'i, la baladik. Il a baladik, retourne d'où tu viens, retourne dans ton pays. Il a biladik, voilà takfouri, ne m'écrois pas. Elle a insisté, ils lui ont donc dit, va au four et urine. Elle est partie. Fakshaabtu, elle dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je suis revenu sans rien faire. Ils lui ont dit, est-ce que tu as fait? Elle a dit oui. Est-ce que tu as vu quelque chose? Non. Ils lui ont dit, tu mens. Ils lui ont dit, tu mens. Retourne dans ton pays et ne m'écrois pas. Tu es sur la base de l'ordre. Mais si tu insistes, alors retourne au four. Elle est partie. Ils lui ont dit, urine dedans. Elle est partie. Et là, cette fois-ci, elle a uriné. Cette fois-ci, elle a uriné. Elle dit, فَرَأَيْتُ فَارِسًا مُقَنِّعًا بِحَدِيدٍ فَخَرَجَ مِنِّي. Elle dit, lorsque j'ai uriné, j'ai vu un cavalier. J'ai vu un cavalier qui couvrait son visage avec du fer qui est sorti de moi et qui est monté vers le ciel, puis il a disparu. Alors je ne le voyais plus. Je suis donc revenu voir ces deux hommes et je leur ai dit, j'ai fait. Ils lui ont dit, qu'as-tu donc vu? J'ai dit, j'ai vu un cavalier sortir de moi et qui est monté vers le ciel. Faqala sadaqti. Ils lui ont dit, là tu as dit vrai. Là tu as dit vrai. Ils lui ont dit, dhalika imanu ki kharaj. Ils ont dit, c'est ta foi qui vient de sortir. C'est la foi, c'est l'iman, c'est l'islam. C'est l'iman, c'est ton iman qui vient de sortir. Idhabi, pas. J'ai donc dit à la femme, Wallahi ma a'lamu shay'an, wa ma qala li shay'an. Par Allah, je ne sais rien, ils m'ont rien dit. Qalat bala, lam turidi shay'an illa kan. Et la femme lui a dit, mais si. Désormais, en gros, tu as le pouvoir, tu peux faire la sorcellerie. Il n'y a pas une chose que tu voudras sans que ça n'arrivera. Ce que tu veux, désormais, ça se produira. Prends cette graine, sème-la, et elle va pousser instantanément. Alors, elle a pris la graine, elle l'a semée, ça a poussé instantanément. Et à chaque fois, elle disait, fais ceci, ça se produira. Fais ceci, ça se produira. Et tout se produisait, immédiatement. Quand elle a vu qu'il n'y a pas une chose qu'elle voulait sans que ça ne se produise, elle est revenue à sa raison.
elle a commencé à regretter. Elle a compris la gravité de ce dans quoi elle était entrée. Alors elle est partie pour chercher le prophète, et elle ne l'a pas trouvé. Voici ce qu'elle a raconté à Aïcha radiallahu anha. Elle lui a dit donc, qu'est-ce que je dois faire? Ibn Abi Hatim a mentionné cette qissa, mais plus longuement, en disant qu'elle a questionné les compagnons. Et le prophète venait de mourir. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de compagnons. Ils étaient encore vivants. Mais chacun avait peur de répondre et renvoyait la balle à son camarade. Ils disaient, va voir un tel pour qu'il te réponde. Va voir un tel pour qu'il te réponde. Ils avaient peur d'Allah. Ils ne parlaient pas dans la science. Ils ne faisaient pas de fatwa sans connaissance. Subhanallah, ça c'est sahaba. Ça c'est as-sahaba. Ils avaient peur d'Allah et de répondre. Et que ce ne soit pas la bonne réponse. Ibn Abbas Mada lui a dit, si tu m'avais dit que tes parents étaient vivants, alors j'aurais pu peut-être t'aiguiller. C'est comme si Ibn Abbas, il voulait lui dire que birru walidayn, rester auprès de tes parents, être bien envers eux, ça aurait été la grande action que je t'aurais recommandée pour qu'Allah te pardonne tes péchés. Allahu Akbar. Birru walidayn, la bienfaisance envers les parents, c'est une des plus grandes actions par laquelle Allah pardonne les péchés aux serviteurs. Et Hisham a dit, rahimahullah, si elle était venue à notre époque, elle aurait trouvé beaucoup de gens qui l'auraient répondu à sa question. Pas comme sahaba, ils ont peur de répondre dans la science. Ils ont peur de parler dans la science. Faut faire ça, faut pas faire ça. C'est halal, c'est haram. Car c'était des gens qui avaient du wara et le khashiyatu min Allah. Hein? Ils avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité en ce jour de Ramadan. فنسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويوفقنا وإياكم ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغفاء والعفاف والغنى والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات ثم لا أنسى أن أشكر من تسبب في هذا المجلس مجلس الخير والرحمة وذكر الله سبحانه وتعالى فجزاكم الله خيرا et je n'oublie pas par la grâce d'Allah Azza wa Jal de remercier, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, de remercier notre frère Nuh Jazallah Khairan qui m'a invité et tous ceux qui ont été la cause de cette assise et de cette réunion fraternelle. Et toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakum Allah Khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.